Bien, tout le monde va bien cette semaine? Plutôt oui. Pas mal, ouais. Ça, bon, nickel. Charlotte, ça va? Tu as passé une bonne semaine? Tant mieux. Moi, j'ai passé une bonne semaine parce que je suis partie en tournée, mais avec toi, Thibaut, justement. Eh oui, cette semaine, nous sommes partis en tournée. Petite publicité clandestine au passage. Hein. Oui, parce que nous, à la base, on fait pas du tout de la radio. Enfin, ça, je crois que tout le monde l'avait remarqué. Alors, les tournées, ça fait rêver le public. Hein. Les tourbus, les chambres d'hôtel, les restos. Alors, t'emballe pas. Hein. Non, nous, le tourbus, c'est une Nissan Micra à trois portes. Nos hôtels, c'est assises dans un studio de 20 mètres carrés. Et les restos, des McDo. Autre chose qui fait fantasmer le public, c'est que souvent, ils pensent que dans les troupes, on couche tous ensemble. Alors, t'emballe pas, c'est pas le cas. Il y a 30 ans, peut-être, hein, maintenant, c'est boulot, tu vois. Je vous dis ça parce que j'ai tenté, oui, j'ai cru avoir une ouverture. Bah, quand une comédienne vient dans ta chambre en culotte te demander ton gel douche, tu peux penser qu'il y a un truc. Hein. Du coup, je l'ai rejoint sous sa douche, et ben, il y a eu comme un malaise. Hein, elle a un peu hurlé, disant que j'ai mal interprété, que j'étais un grand malade et qu'elle allait déposer une main courante. J'ai pas trop compris la fin. Par contre, c'est très cool hein, de jouer en province. Hein. Les gens sont sympas, hyper souriants, et parce que les gens payent aussi. Ah mais ça fait bizarre parce qu'à Paris on te demande que des invites. Même les gens que tu connais pas, tu sais, t'es en soirée, tu dis que t'es comédien, que tu joues dans une pièce, on va te demander des invites. Mec, tu demandes pas des invites au cinéma. Bah là, c'est pareil. Moi je suis de province, et ben j'ai oublié certaines choses. Par exemple, j'ai redécouvert les boutiques France Loisirs. Il n'y a qu'en province qu'on trouve des boutiques France Loisirs. Et la boutique SFR qui fait une grosse pub, découvrez le nouvel iPhone 4S. Il y a qu'en province qu'on voit ça. J'avais aussi oublié que les restos ne servaient plus à 21h30 et que tous les magasins fermaient à 19h. Du coup, plus personne dans les rues, t'as l'impression d'être dans une ville fantôme. En fait, non, il y a du monde, mais chez eux. Bah, même les SDF rentrent chez eux. Hein. Et puis c'est en province que tu redécouvres des mots ou des expressions comme « s'il vous plaît » ou « excusez-moi » ou encore la voiture qui s'arrête au passage piéton. Quand t'es perdu et que tu demandes une rue, les provinciaux ne te l'indiquent pas. Non, ils t'y amènent. Alors j'espère qu'un jour, on partira tous ensemble, en tournée, ensemble avec Pantoufles Explosives. Vous êtes d'accord? Ouais.